Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, je voudrais aller au lac de Saint-Cassien. Vous connaissez le chemin? A. Oui, allez tout droit. B. Oui, descendez d'un étage. C. Oui, partez maintenant. D. Oui, prenez l'ascenseur. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Pardon, madame, je suis un peu perdu. Où se trouve la poste, s'il vous plaît? A. Attendez votre tour. B. Ouvrez la porte. C. Revenez à 14h. D. Tournez à droite. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Mesdames, messieurs, sur cette place, vous pouvez voir de nombreux monuments historiques. Quel est le bâtiment à côté de la mairie? A. C'est juste à 5 minutes à pied. B. C'est le musée des Beaux-Arts. C. C'est une fête traditionnelle. D. C'est une place vraiment magnifique. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous avez rendu un bon texte, mais j'ai trouvé quelques erreurs. Nous pouvons en discuter cette semaine, si vous voulez. A. Oui, je lis votre livre. B. Oui. Je suis disponible. C. Oui, je voudrais un renseignement. D. Oui, je vous demande de partir. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Julie a 21 ans, son truc à elle, c'est le droit. Pour son année Erasmus, Julie a choisi d'étudier à l'université d'Oslo, très réputée dans le domaine des droits de l'homme. Là-bas, elle a étudié le droit, forcément, et puis elle a aussi découvert le froid, avec un grand F. C'est vrai qu'on est arrivé à moins 20, environ moins 20 en janvier. C'est vrai que c'était dur. C'était très dur. Attendre 5 minutes en bus, c'était comme si on attendait pendant une heure. C'était insupportable. Qu'est-ce qui a gêné Julie pendant son séjour à Oslo?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Dupuis, vous êtes notre meilleur espoir aux prochains Jeux Olympiques pour la course du 100 mètres. Comment vous préparez-vous pour cet événement ? La semaine dernière, je n'ai pas couru. Je me suis reposée. Et pourquoi ? J'avais mal au genou. J'ai suivi un traitement et maintenant ça va. J'ai recommencé à courir ce matin et dans 2 mois, je sais que je peux retrouver mon meilleur niveau et gagner. Merci et nous espérons que vous rapporterez une médaille des Jeux Olympiques. Qu'apprend-on sur Agnès Dupuis ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'adore les fleurs. J'adore en avoir chez moi, j'adore en offrir, j'adore en envoyer. J'aurais bien aimé faire ça dans la vie, fleuriste. Ma maman, c'était son premier métier. Quand elle est partie de chez ses parents à 16 ans, elle a fait fleuriste. Et donc, c'est ma maman qui m'a donné le goût des fleurs. Avec mon père, parfois, on jardine un peu. On aime bien les rosiers. On a mis plein de rosiers partout chez nous, autour de la maison. J'aime bien faire ça. Ça me détend pas mal. Comment est née la passion de cette femme ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Comment êtes-vous devenue une star ? En gagnant un concours de chant ? Non. À l'époque, je travaillais comme serveuse dans un bar karaoké et il m'arrivait souvent de chanter en rangeant la salle, par plaisir. Je ne pensais pas devenir professionnelle. Un soir, pensant être seule, je chantais comme d'habitude et en fait, un ami du patron était resté. Il travaillait pour une maison de disques et voilà. Et ensuite, vous avez enchaîné les concerts, les émissions de radio et de télévision. Exactement. Comment cette chanteuse est-elle devenue célèbre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le fort de Brégançon est l'une des résidences des présidents de la République française depuis bientôt 50 ans. Et presque dès le début, il a été un objet de curiosité. Effectivement, pas un été sans reportage sur les vacances des présidents de la République au fort de Brégançon. Que ce soit dans la presse magazine ou à la télévision, tous les Français ont des images en tête. Le président Georges Pompidou fut le premier à comprendre que ce lieu fascinait ses concitoyens. Avec son épouse, Claude, ils décidèrent ainsi, en 1970, d'une journée porte ouverte. Qu'ont proposé les Pompidou pour la première fois au fort de Brégançon ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le moringa, Moringa oleifera pour être exact, un arbre originaire d'Inde, dont les feuilles et les fruits ont depuis toujours été consommés pour leur qualité nutritive. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, on ne le connaît presque pas. Pourtant, Elisabeth travaille main dans la main avec la Croix-Rouge pour expliquer comment le cuisiner et l'intégrer à l'alimentation quotidienne. Car dans un pays comme le Togo, où la malnutrition est une réalité trop répandue, le moringa représente une véritable alternative au maïs et au riz. Quand on mange du moringa, on est en meilleure santé parce qu'il contient beaucoup de vitamines qui peuvent nous aider à bien travailler. Qu'apprend-on sur l'arbre C? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, monsieur Piège, c'est quoi pour vous le métier de chef ? Le métier de chef, c'est quoi ? C'est le métier de cuisinier, en fait. C'est d'abord faire la cuisine et après, le métier de chef, c'est diriger une entreprise, diriger une équipe pour le plaisir des mangeurs qui sont à table. Convoquer tous les sens au sein d'une assiette, c'est quoi ? C'est l'odeur, c'est la vision, c'est la sensation avec le toucher, donc le craquant. Le craquant est quelque chose d'assez important dans ma cuisine, où j'essaie toujours d'apporter de la texture, soit par une cuisson, soit par la jonction de quelque chose qui va apporter ce craquant. Qu'est-ce qui fait la particularité de la cuisine de Monsieur Piège ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Réunion après réunion, Katharina commence par écouter, puis elle oriente la conversation vers ses priorités. Elle cherche à obtenir les informations qui pourront lui être utiles pour la rédaction du rapport final. Il s'agit de vendre un produit, le droit humain à l'eau et à l'assainissement. Je veux captiver les gens pour qu'ils comprennent, qu'ils soient convaincus. Utiliser les droits humains comme cadre de travail pour la question de l'eau et de l'assainissement, par exemple, c'est faire un meilleur travail qui leur permettra de mieux servir les personnes qu'ils sont censés servir. Pourquoi Katharina se bat-elle ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tant de livres pour célébrer la province. Pour célébrer quoi ? Les Bretons têtus, les Auvergnats près de leur sou.
pour souligner la diversité extraordinaire de la France. C'est ce qui fait sa principale richesse, c'est que vous allez d'une région, d'une province à l'autre, vous faites 50, 100 kilomètres, c'est toujours des paysages chaque fois différents, et les caractères des gens varient aussi en fonction des régions. Oui, de c'est France. Vrai toujours ça, Pierre Beau, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de tout ça. Et voilà, alors qu'il y a eu tellement de brassage de population, mais vous avez toujours un caractère breton, vous avez un tempérament provençal, vous avez des caractères propres aux Savoyards ou aux Berrichons, c'est comme ça. Et moi, et mon étonnement, justement, c'est que ça persiste encore. Quelle est l'opinion de l'écrivain interviewé ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'humanitaire, il est à la fois une place importante dans le cœur des gens, dans le cœur des victimes. Aujourd'hui, MSF, Action contre la faim, Handicap international sont reconnus mondialement. Bien sûr. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que les ONG ont une place qui est une place réduite. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens des États. Elles n'interviennent donc, en fait, à dose thérapeutique. Et donc, il faut toujours gérer cette image d'un humanitaire qui apparaît comme tout puissant à travers le fait d'être partout dans le monde, mais en même temps qui, revenons à la réalité des chiffres, ça ne représente même pas 900 millions d'euros, l'humanitaire français. Quel est le point de vue de l'intervenant au sujet de l'action humanitaire ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que la modernité, telle que vous l'étudiez, est compatible avec la sauvegarde nécessaire de la planète ? C'est à nous de voir. C'est ça, l'avenir à faire soi-même. C'est une réponse de philosophe. Ah, je suis désolé. C'est vraiment là qu'est la question. C'est que la modernité nous donne des tas de moyens. On a pu imaginer qu'elle nous obligeait à en faire certaines choses, et notamment des choses pas jolies, comme la guerre, l'oppression économique. Peut-être qu'aujourd'hui, on a inventé d'autres systèmes, notamment l'Internet, qui nous permettent de faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et là, on n'est même pas en carrefour, on est devant une mosaïque de carrefour, des tas de choix qui vont nous permettre de décider si cette modernité, elle nous amène à l'extinction de l'espèce, ou bien si on arrive à faire quelque chose de bien. Que prône le philosophe interrogé pour l'avenir de la planète ?